Yo tout le monde, c'est GrabZibber sur une suite. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez courte mais très explicative, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Alors un tuto sur quoi? Un tuto tout simplement sur comment créer un lien de téléchargement. Car moi j'ai eu à créer des liens de téléchargement et c'était pas si facile qu'on le pensait. Enfin, c'est assez facile mais il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour comprendre. Donc, allons commencer tout de suite. Donc, pour commencer ce tuto, vous allez ouvrir votre navigateur internet, hein. Ça marche avec tous les navigateurs, hein, ça c'est clair. Donc là vous avez la page d'accueil et vous allez taper l'adresse suivante: http://mega.nz. Donc là il va vous charger une page, donc qui est la page d'accueil de Mega, et là il va vous demander d'uploader un fichier. Alors, moi, là, je vais pas uploader de fichier parce que j'en ai déjà uploadé un. De toute façon, pour uploader un fichier, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le petit icône et donc là, c'était le fichier que j'avais uploadé. Et donc, vous, par contre, vous pouvez que mettre des archives. Hein. Vous pouvez pas mettre des dossiers comme ça, par exemple. Donc, vous pouvez que mettre des archives. Voilà. Donc, sauf que d'abord, pour mettre une archive, c'est plus simple de se connecter et de créer un compte, parce qu'après, pour récupérer le lien, vous allez être obligé de créer un compte. Donc moi, je vais me connecter parce que j'en ai déjà un, mais sinon, créer un compte, vous créez un compte, et il va vous demander de mettre sur votre adresse email, et c'est pas très très compliqué. Donc là, il va vous connecter, il va vous mettre le déchiffrement et tout ça. Voilà. Donc là, vous êtes connecté à votre compte. Une fois que vous avez fait cette connexion, donc moi, j'ai uploadé mon fichier. Donc vous, pour uploader un fichier, c'est pas compliqué. Vous avez juste à cliquer là et à faire téléverser un fichier, ou cliquer ici. Et quand vous faites téléverser un fichier, hop, voilà, et vous retombez sur la même page. Donc une fois que vous avez mis votre fichier, donc là, j'ai mis mon villa.zip, vous allez cliquer droit dessus et cliquer sur... Donc moi le lien a déjà été mis, mais ici il va vous marquer récupérer le lien. Attendez, je vais recommencer, comme ça ça va être plus simple. Je vais faire retirer le lien et je vais faire récupérer le lien. Et donc là vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et avec plusieurs options. Donc vous pouvez être un petit peu perdu, mais en fait c'est très très simple. Vous avez le lien qui mène à votre fichier. Donc ça vous n'allez pas le prendre sauf si vous ne mettez pas de clé. En fait, il va y avoir une clé de déchiffrement. Ce qui s'appelle une clé de déchiffrement, c'est-à-dire que votre lien, on va lui rajouter quelque chose derrière qui va faire que dès qu'on ouvre le lien, eh ben, la clé, elle va ouvrir le fichier. Donc par exemple, là, si je mets ce lien dans une autre page, hop, là je l'ai copié, je le mets, hop, et là, il me fait quoi? Saisir la clé de déchiffrement. Bah oui, sauf que la clé de déchiffrement... Et en fait c'est ça la clé de déchiffrement, c'est ça. Donc en fait quand vous cliquez là vous avez la clé de déchiffrement. Là c'est juste le lien, là c'est la clé. Donc la clé c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir le fichier en fait. Donc vous aurez juste à copier la clé de déchiffrement à l'entrée, à faire déchiffrer, et là vous avez le fichier. Ou sinon vous pouvez même aller encore plus vite, vous cliquez sur lien avec clé et là vous avez le lien complet. Dans ce cas là vous avez à le copier, à le mettre dans une nouvelle page, hop, et voilà. Et vous arrivez sur la page directement. Et je le refais, hop, lien avec clé, et là vous arrivez, ça charge, et vous arrivez directement sur le truc. Après vous pouvez télécharger avec MegaSync et avec votre navigateur. Moi je vous conseille de télécharger avec notre navigateur, parce que dans tous les cas, ça à mon avis il va falloir payer ou faire d'autres trucs, donc je sais pas trop quoi. Donc à mon avis c'est mieux de télécharger directement avec votre navigateur. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce petit tutoriel, hein. C'était assez rapide. Et voilà, donc maintenant vous savez créer un lien de téléchargement sur Mega. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans laquelle j'utilise ce fichier. Justement, parce que c'est une map Minecraft. Voilà. Et donc, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et mettez des likes. Allez, salut tout le monde! N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à regarder cette vidéo et à mettre des petits j'aime. Bye!